effet, c'est moi la maîtresse de maison. Alors, réjouissez-vous, c'est votre jour de chance puisque je suis venue vous présenter la fabuleuse gamme de cosmétiques Sally Kay, spécialement conçue pour la vie en banlieue. Entrez, vous allez me montrer ça. Alors, quand est-ce que j'aurai mon badge secret du MEG? Dès que tu auras réussi la dernière épreuve de ton initiation. Mais n'oublie pas la règle numéro 1 du MEG. Le club est interdit aux filles. Et si tu parles de son existence à qui que ce soit, tu en seras immédiatement exclu. Tiens, tiens, un club interdit aux filles, c'est ce qu'on va voir. Salut les garçons! De quoi vous parliez? Ça m'intéresse. De rien, Clover. On s'est demandé seulement combien pèserait notre masse corporelle sur la Lune en état d'apesanteur. Tout dépend si vous l'évaluez avec ou sans votre badge du MEG, n'est-ce pas? Oh, je suis curieuse de savoir ce que les élèves pensent de votre club secret. Je vais faire un sondage. Minute, reste ici. Charles, monte la garde. Notre club propose des activités typiquement masculines qui te sembleraient débiles et ennuyeuses. C'est pour ça que les filles sont exclues. Dis donc, tu me prends pour qui, toi? Je suis pas n'importe quelle fille et vous n'avez aucune crédibilité sans un membre tel que moi. C'est clair, alors tu m'inscris et c'est sans discuter. Bon, alors on demande l'accord de l'ARA et puis on te recontacte. Oui, mais faites vite, je veux pas moisir sur la liste d'attente. Alors, je lui ai dit de m'inscrire sans discuter. On n'attend plus que l'accord de la RA. Je me demande ce que ça veut dire, RA. Waouh, un club secret, c'est passionnant tout ce mystère. Je trouve ça génial, Clover. Mais un club réunit des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Je sais pas quels sont les leurs, mais c'est pas grave. Même si ce sont des intellos, je veux en faire partie. Personne ne m'exclut. Hein? Les terminales ont dû enfermer une seconde dans le placard pour la bizuter. Moi, une fois, on m'a coincé derrière le distributeur de boissons. Bonjour, mesdemoiselles. Les placards de Whoop sont un peu en désordre, désolé. Ce serait cool d'y faire du rangement pour la prochaine fois. Merci d'avance. Les filles, je vous présente ma nouvelle assistante, Dina. Bonjour. Quel plaisir de faire enfin votre connaissance. J'admire énormément ce que vous faites. Ah, merci. Bienvenue dans l'équipe du Whoop. On nous a signalé un phénomène inquiétant qui se produit de façon très insidieuse dans le monde entier. Et aujourd'hui, il a atteint les États-Unis. Waouh, et vous pouvez aussi capter télémodes de l'amour avec ça? Apparemment, de paisibles femmes au foyer sont devenues soudainement agressives avec leurs proches et avec les inconnus. Chaque lueur correspond à un lieu d'agression. Ça touche toute la planète. En effet, nous n'avons pas réussi à élucider ce mystère. C'est pourquoi nous faisons appel à vous. Merci, mais comment faisais-je quand vous n'étiez point là? Voici vos gadgets. Ceinture à câble bungee extensible, cesse-cheveux tornade 3000, dernière version, mini-barrette appareil photo 24 poses, chignon filin alpin et enfin vos fidèles sacs à dos jet propulseur. Qu'il est mignon ce mini-appareil photo! Ah, vous prendrez bien une bonne tasse de thé. Je vais goûter le gâteau maison que vous avez apporté. Il est parfumé au ginseng. Ça va vous donner un bon coup de fouet. Vous allez voir. Y a quelqu'un? Mademoiselle Jones? C'est bizarre. La réceptionniste nous a dit qu'elle était là. Elle a dû s'absenter quelques instants. Profitons-en pour chercher des indices. Surveille la porte, Clover. Oui, oui. Mademoiselle Jones? C'est la brute qui m'a agressée qui vous envoie pour m'achever. Non, rassurez-vous, nous on travaille pour le Whoop. On enquête sur ce qui vous est arrivé. Pour cacher ça, c'est pas un col roulé qu'il faut, c'est une cagoule. Mademoiselle Jones, avez-vous une idée de ce qui a pu rendre cette femme agressive? Elle est peut-être allergique à la couleur orange et votre ensemble l'a énervée. C'est vrai, le rouge rend bien les taureaux au foudrage. Ce ton n'est pas trop vif, je doute que ça vienne de là. Moi, je pense plutôt qu'elle n'aimait pas que je lui vende des cosmétiques et c'est ça qui l'a mise hors d'elle. Soudain, elle a changé de regard. J'ai vu une lueur rouge dans ses yeux et elle m'a attrapée par le cou. D'après le rapport de police, Mademoiselle Jones a déclaré que celle qui l'avait agressée lui a fait des prises de catch. Et d'après moi, quand elle a fait sa déposition, elle était encore sous choc. Je trouve ça bizarre, cette histoire de lueur rouge dans les yeux. Tiens, j'ai reçu un message.
suis invitée ce soir à un match de catch féminin, le WoW Weekend d'orage pour les Valkyries. Dans ces endroits, ça empeste la sueur. Et qui aime ce genre de spectacle? Moi? Mais si c'était Weekend d'orage dans les bras d'un athlète? Ouais, et ben moi ça me dit rien. Bon, assez discuté. Prochain arrêt, McAllen au Texas. Des joueurs de bowling y ont été attaqués par une bande de femmes enragées. Les femmes étaient grandes, musclées et très offensives. Elles ont débarqué de nulle part et elles nous ont sauvagement agressées. Sans que vous les ayez provoquées avant? Mais non. Ces furies nous sont tombées sur le poil au milieu d'une partie. Mais le plus étrange, c'est que Madame Dinsmore, la propriétaire du bowling, était parmi la bande. Je ne l'ai jamais vue dans un état pareil. Elle a des circonstances atténuantes. Vous avez vu leur chemise? Quelle horreur! Dans le bureau de cette Madame Dinsmore, il y a peut-être des indices. Voyons si le système de surveillance du bowling a enregistré l'agression. Regardez, elles font des prises de catch aux joueurs de bowling, comme la femme qui a frappé Mademoiselle Jones. Bon, apparemment, le catch est le dénominateur commun des attaques. Mais quel est le rapport entre ces différentes agressions? Les filles, venez voir ce que j'ai trouvé dans ces mails. Ces initiales me rappellent un truc. Madame Dinsmore a reçu la même invitation que moi pour le spectacle Week-end d'orage pour les Valkyries. On vient de trouver le lien que tu cherchais entre le catch et ses agressions, Sam. Oh, c'est seulement sur invitation. Il va falloir que vous trouviez une autre façon d'entrer. Pas de problème, viens avec moi, Alex. Invitation. Passe une bonne soirée, ma sœur. Vous savez si les Valkyries se donnent souvent en spectacle? C'est la première fois que j'en entends parler. J'ai reçu une invitation ce matin. Ah oui? Moi aussi. Que le match commence sur le ring, les deux et les lutteurs. Voyons si les Valkyries ont laissé quelques indices par ici. Sois la plus discrète possible. J'ai pas envie de me faire tordre le cou par une de ces brutes. C'est le dernier soir de recrutement. La communauté va bientôt prendre l'avantage et s'imposer. T'as vu leur masse musculaire? Oui, je l'ai vu, je l'ai senti surtout. Entrons dans cette pièce en passant par la bouche d'aération. Il y a plus de vieilleries ici que dans le placard de Jerry. Hein? Salut Clover, c'est Mandy. Mandy? Écoute, je sais pas quel garçon tu veux me reprocher de t'avoir piqué, mais ça attendra. Ça n'a rien à voir avec ça. J'appelle parce que j'ai appris que tu voulais intégrer un certain club secret seulement réservé aux garçons. Quoi? T'es au courant? Comment ça se fait? Oh, quelle question stupide! Mais enfin, tu oublies que je sais toujours tout ce qui se passe dans le lycée! Occupe-toi plutôt de ton mascara! Juste une confidence! J'ai fait pression sur les garçons pour qu'ils acceptent ta candidature! Après tout, il faut se serrer les coudes entre filles, hein? Bon, salut! Qu'est-ce qu'il lui prend de jouer la solidarité féminine? Ah! Notre armée.
communauté va gagner en puissance. Demain, la roue tournera. Nous occuperons enfin la place qui nous revient dans le monde après avoir éliminé tous les hommes et toutes les femmes qui ne font pas partie des élus. C'est de la folie. Il faut retrouver Sam. Mais comment avec toute cette foule? En jet propulseur? Ah, la voilà! Sam, c'est nous, on est contentes de t'avoir retrouvée. Hé, hey, dis donc, tu nous snobes ou quoi? Tu pourrais répondre. Vous êtes des ennemis de la communauté! Sam, qu'est-ce qui te prend? T'as perdu la tête? Pourquoi tu fais ça? Cette fille se bat pour notre noble cause avec une énergie farouche. Amenez-la moi. Le Whoop pourrait nous fournir des uniformes anti-tâche tout de même. Où elles sont passées, ces furies? Bon, prévenons Jerry. Bonsoir les filles, alors les choses avancent? Cette mission tourne au vinaigre. Sam a perdu la tête, elle nous attaque comme une furie. Oh misère, c'est très ennuyeux. Jerry, vous auriez des infos sur un groupe qui s'appelle la communauté? Il faudrait consulter notre base de données mondiale. Permettez que je le fasse pour vous. Merci, j'apprécie. La communauté est un groupe de guerrières très anciens qui fut pendant longtemps considéré comme une légende. Leur objectif était d'éliminer les hommes et les femmes trop faibles afin de régner sans partage. Merci, Jerry. On vous envoie les images numériques des indices qu'on vient de trouver. Parfait. Au revoir. Je doute que la communauté ait vraiment existé. Ça doit être une légende, rien de plus. J'en sais rien, mais tout de même, ça m'est vraiment effrayante. Voyons les indices qu'on a trouvés. Ça, c'est le drôle de livre que j'ai vu. C'est quoi, à ton avis? Apparemment, il s'agit d'une liste. Regarde, il y a le nom de Sam. Et c'est pas tout. Il y a celui de sa mère, de sa grand-mère aussi. Et là, il y a le nom de Mary Dinsmore. Celui de sa mère, et on dirait un arbre généalogique. Et tous les noms convergent vers une certaine Ariel. Toutes ces femmes doivent avoir des ancêtres dans la communauté. Voilà comment Ariel choisit ses guerrières. Puis elle les invite à un match de catch et elle les hypnotise pour pouvoir les enrôler. Mais où elle les emmène ensuite? Attends, peut-être que son empreinte sur ma chaussure nous la prendra? L'empreinte de la semelle d'Ariel est composée de cendres volcaniques qu'on ne trouve que sur le mont Sainte-Hélène. Je parie que c'est l'endroit où on retrouvera Ariel et Sam. Les filles, j'ai déchiffré le code du calendrier de pierre. Enfin, avec l'aide précieuse de Dina. La cérémonie de la pierre sacrée a lieu à minuit à la première pleine lune de la saison d'automne. Et il se trouve que cette année, ça tombe le 2 novembre. Oh, ça veut dire que c'est cette nuit. Et ça veut dire qu'on a moins de 2 heures pour arrêter Ariel et sauver Sam. Dans ce cas, vous feriez mieux de foncer. Je vois deux gamines pathétiques qui essaient de faire échouer mes plans. Ah ben moi, ce que je trouve pathétique, c'est de vouloir dominer le monde en se battant comme une chiffonnière. Emmenez-les immédiatement sur le ring. Aïe, 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 je crains le pire. Cela fait tellement longtemps que j'attends cette nuit. Je ne vais pas laisser deux petites pestes mettre mon idéal en danger. Viens. Sam! À tes ordres, Ariel, élimination radicale des faibles. On dit que qui aime bien châtie bien, c'est ce qu'on va voir. Votre amie va vous prouver combien elle est attachée à vous.
23h50, il ne nous reste que 10 minutes pour saboter le plan d'Ariel. Sam, redescends un peu sur Terre, c'est nous, Alex et Clover. T'as pas pu nous oublier, on était les meilleurs amis du monde, toutes les trois. Les ennemis de la communauté ne sont pas mes amis. Arrête, ça commence à bien faire le coup des grognements et des yeux rouges. Dans quelques minutes, les planètes seront dans l'alignement idéal. Je réveillerai nos sœurs dans le monde entier et nous nous soulèverons pour prendre ce qui nous revient de droit. Longue vie au règne suprême de la communauté! Longue vie à la communauté aux Valkyries! Longue vie à la communauté aux Valkyries! T'achèverai rapidement pour t'éviter des souffrances inutiles. Bon d'accord, je me rends, mais ensuite on va boire un cappuccino et on discute gentiment de tout ça, Sam. Le prends pas mal, hein, mais on est trop jeunes pour que les choses s'arrêtent là. Qu'est-ce que je fais ici? Je peux savoir ce qui se passe? Pourquoi je suis couverte de boue, moi? Tu te rappelles pas? Je me rappelle pas de quoi. Je t'explique. Ariel t'a hypnotisé pendant le match de catch. À l'évidence, tu faisais partie des heureux élus. Pourquoi j'en ferais partie? En quel honneur? Parce que ton arrière-arrière-arrière-grand-mère était elle-même une élue. Ce privilège est héréditaire. Je crois pas à cette histoire. Il doit y avoir une autre explication. Moi, j'y croyais pas non plus. Mais il y a 2 secondes, t'avais les yeux rouges et tu voulais nous massacrer. Oh, la boue doit pouvoir neutraliser le pouvoir de la pierre d'Ariel. Quoi? Il nous reste que 3 minutes pour intervenir. Plus qu'une minute et demie. Éliminez-les. Ben allez-y, faites-moi une prise de catch. Ça y est, ça commence. Au contraire, ça ne fait que commencer. Je dois résister. Ta place est à mes côtés. Ton destin est d'être une bonne guerrière. De la cendre volcanique. Dina, je ne pense pas vous garder comme assistante. Je n'abandonne pas. Je reviendrai et un jour, notre communauté régnera sur le monde. Ça alors, on dirait qu'elle s'est évaporée. Elle s'est cachée où? L'essentiel, c'est qu'elle ait disparu. Le reste, on s'en fiche. J'ai comme l'intuition qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'Ariel. Mais où on va comme ça? Dépêche-toi, c'est une surprise, tu vas adorer. Qu'est-ce que c'est? Silence, novice! Promets-tu de ne jamais révéler l'existence de notre club à qui que ce soit? De respecter le code de l'honneur du MEG? Et par-dessus tout, promets-tu d'aimer et de soutenir la RA? Je m'y engage, bien sûr. Puisqu'il en est ainsi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je valide ton serment et te déclare officiellement membre du MEG. Enfin,
on y voit plus clair. J'aime mieux ça. Maintenant, quelqu'un pourrait m'expliquer qui est au juste cette RA? Tu veux dire la reine des abeilles? C'est la reine du MEG. Et que veulent dire les initiales MEG? Mandy est géniale. Notre club est un hommage à celle qui est pour nous la plus belle du lycée. Quoi? Mandy est la RA? Mais bien sûr que c'est moi. Vive la reine des abeilles! Maintenant, passons à ton épreuve d'initiation. Effleure mes pieds avec cette plume d'oie, c'est la seule chose qui me détend après une dure journée. Je m'en vais, c'est où la sortie? Tu ne peux pas t'en aller, quand on est membre, c'est pour la vie. C'est quand tu veux, Clover, tu ne vas pas faire attendre la reine des abeilles.